Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode 77, je crois, de Witcher 3. Ouais, alors j'ai déjà eu l'intro 4 fois à peu près, parce que j'ai pas réussi à faire l'enregistrement comme il fallait. Et c'est hyper long, il se passe rien là. Voilà, c'est... ça avance un tout petit peu. Je sais pas, le c'est un temps de chargement. En plus du temps de chargement qu'elle a, j'en sais rien. Voilà, mais ça raccourcit peut-être celui-là. Donc nous sommes au bain-douche. Voilà, on venait de récupérer, de recruter. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout. C'est pas la porte là, c'est la porte, c'est celle-là. Alors c'est tellement sombre au niveau de pédale. Le mec, on lui a déjà pété la jambe, on va pas lui voler des fleurs non plus. Nous sommes à combien de mètres de pas, pardon. Alors déjà, on va faire autre chose. Là, c'est qui là? C'est Aider Yennefer. Et le dernier, c'est quoi? Aider Yennefer. Alors, j'ai pas lu Aider Yennefer, mais c'est ça. Et Ciri. On va céder avec Ciri. On va céder. Ouais, mais on passe par où? Ouais. On va remonter. L'ordre va enfin régner. Longue vie à Radovid. Ou alors on s'occupe de Yen tout de suite. Allez, vas-y, on va s'occuper de Yen en fait. Ouais, je change d'avis. Voilà. Ouais, c'est surtout que c'est sur la... Ah, on a des points complets. On a un point. Est-ce qu'on augmente l'attaque ou est-ce qu'on se fait autre chose? Ah, c'est ça que je voulais faire. Augmente l'inventaire maximum. Oh, ouais. Le problème, c'est que je pourrais pas encore le mettre. Il faut que je sois au niveau 26. On est au 24. Mais au moins, on l'a. Sauf si on peut enlever des trucs. Qu'est-ce qui me sert à rien? Ah, les pièges, j'ai pas le truc bouclier explosif. Moi, je prends. La cible n'avance plus lorsque vous lancez Axie, je garde. L'armure des ennemis blessés. Avec Igni, je garde. Mode signe alternatif. L'ennemi ciblé devient temporairement votre allié. Je m'en sers pas de celui-là. Je m'en sers pas trop. Je vais le tenter. On va augmenter l'inventaire. Parce que je m'en suis pas servi. Moi je vais mettre là, ce qui fait que toi je n'ai plus besoin. Voilà, et puis ça je sais pas encore comment ça fonctionne, hein. J'ai toujours pas trouvé les trucs intéressants. Hop, ça j'en ai pas besoin. Donc ça va rien changer en fait, je viens de réfléchir, mais je suis un gros con. Ouais, vu que j'ai pas le truc pour le... Si, pour l'activer, je sais pas si ça active ou pas. Je sais pas. Bon, au pire on va regarder l'inventaire. On voit pas le poids de l'inventaire. Hein. On voit pas le poids. On a trop pris. Ici. Allez. Oh, un nombre de cases où je sais pas. Fais gaffe. Bien. Là oui, je fais ça, moi je suis samedi matin, le samedi matin avant le coup d'ailleurs. Mais je fais ça parce que je vais au travail tout à l'heure. Donc, je me dépêche parce que j'ai un week-end de chou. Je suis à... Je t'ai pas reconnu, Yen, t'es sérieuse? Paye un verre. Non, oh, merci. Ils ne servent que de la pisse d'âne ici. Ils me l'héritent. C'était ton idée ou celle de Ciri? Ciri. Celle de Ciri. C'est bien ce que je pensais. Tu as bien fait de l'accompagner. Euh...
Qu'est-ce que tu fais là? Charmant cet endroit. Que fais-tu ici? Tu le sauras bien assez tôt. En attendant, parle-moi de Philippa. Chris et moi, nous l'avons trouvée et libérée. C'est Dijkstra qui la retenait. Et la situation est de nouveau sous contrôle. Tu m'envoies rassurée. Bien. Tu m'expliques ce que tu fais ici? J'ai découvert où était Margarita. Elle est retenue captive à la prison d'Oxenfurt. Je dois rencontrer un homme qui s'en est évadé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah oui, la loge, tiens. Si j'ai la loge. J'ai déjà vu Triss. Elle n'est pas franchement optimiste. Il ne fait pas bon être magicienne par les temps qui courent. Rares sont celles qui osent mettre le nez dehors. Et je les comprends. C'est qui cet homme? Que sais-tu de cet homme? Je sais qu'il est le seul à s'être échappé de Deirehad et qu'il est recherché par tous les gardes de la ville. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? On sera bientôt fixé. Il vient d'arriver. Abbé Faria? Qui êtes-vous? Nous voudrions vous parler. Merde! Oh, tu ferais mieux de le rattraper. Bon bah on va l'attraper. Je vais m'apercevoir que j'ai... Il est monté, il est pas monté. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas lancé mon chrono. Mais je suis un sorceleur. Tu vas trouver ta trace. Ah, je peux lui voir les traces. Merde, il a pris l'échelle. Ah ben bien. Je suis bon pour une promenade sur les toits. Oh merde! Heureusement qu'il est lent et qu'il m'attend parce que putain. Il m'attend grave en fait. Comment je t'arrête? Ah voilà. Je croyais que tu avais rendez-vous. J'ai dit que je l'avais trouvé, pas que je lui avais parlé. Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Calmez-vous, on veut simplement discuter. C'est ça. Vous me plantez une lame entre les côtes. Et me jeter dans le caniveau. Regardez-nous attentivement. On ressemble à des brigands, d'après vous? Non, pas vraiment. Contente qu'on soit d'accord. Et puis, votre cadavre ne nous serait d'aucune utilité. Alors, vous ne me ferez pas de mal? Non. Racontez-nous votre histoire et nous vous laisserons partir. D'accord. Mais on ferait mieux de retourner chez Kat. C'est pas bien malin de s'attarder dans Cervelle. Non, bah allons-y. Non. Buvez, ça vous aidera. Merci. Qu'attendez-vous de moi? Je veux entrer à Deirehad. Rien de plus facile. Allez voir un chasseur et dites-lui que vous êtes une magicienne. Ça marche à tous les coups. Nous devons entrer sans nous faire voir. Expliquez-nous comment vous vous êtes évadé et ensuite on vous laissera tranquille. Les gardes. Il paraît que Deirehad est mieux gardé que la forteresse de Vicovaro. Les gardes sont d'anciens chasseurs de sorcières. Les plus haineux, les plus fanatiques. Si vous saviez ce qu'ils font subir aux prisonniers... Tous les jours, ils nous torturent. La roue, le chevalet. Le seul moment de répit, c'est pendant les fêtes, quand ils se saoulent comme des ivrognes. Ils sont autorisés à boire pendant le service? Officiellement, non. Mais, vous savez comment ça se passe. Et comment t'es sorti? On raconte que personne n'est jamais sorti de Deirehad vivant. Oui, j'ai entendu ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en sortir mort? Mais, ils brûlent les corps, non? Depuis que j'ai réussi à m'échapper, oui. Mais avant ça, ils se contentaient de les jeter dans une fosse commune. La fosse est connectée aux égouts, qui débouchent sur la rivière. Pour arriver là, vous êtes sauvés. On peut entrer par les égouts, alors. Donc, en théorie, on pourrait suivre le chemin inverse pour entrer.
À condition de supporter l'odeur des corps en décomposition. Et de passer la grille qu'ils ont immédiatement installée après mon évasion. Il nous faudrait des explosifs. Pour que toute la ville nous entende. Ouais. Non, j'ai un meilleur plan. Oxenfurt est bâti sur des ruines elfiques. Ils doivent être reliés aux égouts, bien sûr. Si on trouve l'entrée des ruines... On pourra entrer dans la prison. Merci. Non, comment... Ah oui, comment t'as simulé ta mort, toi ? Alors vous avez fait le mort, et ils n'y ont vu que du feu. Dans ma jeunesse, j'ai étudié la chimie à Argentin. J'y ai gagné de maigres connaissances en herboristerie. Les champignons somnifères poussaient sur le mur de ma cellule. Et j'ai trouvé de la belladone dans la cour de la prison. J'en ai fait une sorte de purée que j'ai mangée une heure avant la première ronde de nuit. Vous auriez pu mourir. Quitte à mourir, j'aime autant que ce soit de ma propre main. Ok, bah merci. Vous voyez, ça s'est bien passé finalement. Un dernier conseil, changez de taverne, ici tout le monde vous connaît. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais bonne chance. Oui, adieu. C'est intéressant ce qu'il a dit sur les gardes. Ce qu'il a dit à propos des gardes, ça pourrait nous servir. Oui, si on peut en saouler quelques-uns, ça nous facilitera la tâche. Ça doit être dans les cordes de Zoltan. Retrouve-moi sur le pont d'Oxenfurt. Ok, allons... Wow! Voilà, tâche. Mais la ville, je galère encore. Je la connais toujours pas, c'est un tiers. Bon, on n'est pas loin, l'avantage. Est-ce qu'on a un blé ? Oui. J'ai toujours besoin de toi. Juste pour voir si t'étais là. Super ton jeu. Salut Zoltan. Zoltan. Gérald ? J'ai besoin de ton aide pour les gros soufous que tu fous là. J'ai besoin de ton aide pour sauver... pour libérer Margarita. Margarita est détenue à Deireade. J'ai un plan pour la faire sortir, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire ? Charge toute ta réserve d'hydromel de Mahakam sur un chariot et amène-la à Oxenfurt. Au signal de Yennefer, tu rentreras dans la prison pour offrir une tournée générale aux gardes. Aucun homme ne peut résister à de la bibine gratuite. Mais Gérald... conscient du danger que ça représente. Parfaitement, c'est pourquoi je suis ici. Tu es le seul à qui je fasse confiance pour ça. Hein ? Dit comme ça. Très bien, tu peux compter sur moi. Je trouverai bien un moyen. Où tu vas ? Je vais retrouver Yen. Elle est partie à la recherche d'une entrée dans les ruines situées sous la ville. Ne te fais pas prendre, surtout. Ce serait dommage de gâcher tout ce bon hydromel pour rien. Mais oui. Ok, moi je te remercie. Content de t'avoir vu, Zoltan. À la prochaine. Ah, on est à 1200 mètres, là. Donc, on va où ? Retrouver au port... au pont ! Ok, j'utilise pas M. Il est où ce pont ? Il est là. Ok, donc le port de Novigrad. Ah ! On va en planer parce que je peux me permettre. Je kifferais avoir ces sœurs là. Ouais, en fait, si j'avais regardé là directement, ça aurait été bon. Les potions de sorceleur sont mortelles pour les gens normaux. Oh cool, je vais aller me payer du temps. Et toi, je t'emmerde. Allez, bête. Mets-toi cul. Allez. Oh merde, je suis ralenti. Pour 50 mètres en plus, je me suis fait chier. Oh merde. Sauvez-moi. Merde. Gérald, vous savez ce que je dis sur vous.
C'est de pire en pire. Oh. Ils n'ont pas réussi à fuir Novigrad. Alors ils ont tenté de résister. On chassa voyante, chiromancien, herboriste et guérisseur. Bien qu'apprécié du peuple, il n'avait jamais gagné sa confiance. Le peuple se méfie toujours de ceux qui connaissent ses peurs et ses faiblesses. La ville libre de Novigrad devint un piège pour tous les mages. Marchands, artisans et citoyens retinrent leur souffle quand la mort vint chercher ceux qu'ils méprisaient. Personne n'avait imaginé que les mages prendraient les armes et résisteraient. Tu as trouvé une entrée ? Plusieurs. La plus proche est au fond d'un puits, près d'ici. Et toi, tu as trouvé de l'aide ? Zoltan attend ton signal. Bien, tu es prêt ? Allons-y. Ouais, go. Oh merde, accélère ! Tu es sûr que les gardes ignorent l'existence du passage ? Ils n'ont pas mis des hommes en faction ? Certaines. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les hiérarques de Novigrad ont mis un point d'honneur à éradiquer tout souvenir des origines elfes de la ville. Même si quelqu'un se souvenait de ces ruines, il n'aurait aucun moyen de savoir jusqu'où elles s'étendent. Et je suis certaine que personne n'a songé à placer des sentinelles. J'espère que tu as raison. Voilà, c'est très long. Allez, il y a des fers là. Ouais, je pense que je pourrais te défoncer si j'avais qu'un. Ah, c'est là. Et si j'avais su, je serais parti tout de suite, tout seul. Nous y sommes. Ici. Un rocher bloquait l'ouverture du puits jusqu'à récemment. Suite à un décret des Melfarth, il y a plusieurs années. Mais j'ai dégoté deux passants relativement musclés qui ont accepté de le déplacer. Moyennant un petit quelque chose, bien sûr. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Utilise-le dès que tu auras trouvé Rita. Ça m'aidera à vous localiser. Tu viens pas avec moi ? Tu ne viens pas ? Désolé, mais crapahuter dans les ruines et patauger dans les égouts, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Parce que c'est la mienne. Je préfère me laisser faire le sale boulot, en somme. Et puis, ah là là, formidable. Je suis trempé. Bon, c'est pas ouf. Par là. Et là, on est dans les ruines elfiques, c'est trop classe. Un pilleur de tombes. Un amateur de trésors elfiques, apparemment. Je devrais pas y aller, là, mais... Saleté. Je veux, c'est le loup. K. J'ai pas eu de truc intéressant, c'est ça. Ça va pas relier. Ah, ça augmente la vitalité. L'intensité des signes. Et non, moi je voudrais plus. Jardinaire. Voilà, on va augmenter au pire des cas, même si on s'en sert pas. Balader. Dit-il alors qu'il se barre, tu sais. Il nous reste combien de temps? Puis c'est la fin de l'épisode en plus, normalement. D'accord, donc voilà, on peut pas aller plus loin parce qu'on pourra pas remonter. Ah, on peut aller par là. Putain, non, on peut pas. Yes, on peut pas aller par là. Pardon, je suis content parce que ça me bloque la route en fait. Alors, on a commencé à 45, il est midi 5. Ah, quelle puanteur! Merde, je sais, je vais tenter de toucher.
Oh la merde, merde. Je vais me reposer maintenant. N. Méditer, pardon. Ouais, bah ce que je vous propose, comme ça, ça va me permettre de faire le deuxième épisode dès maintenant. C'est qu'on va faire une sauvegarde ici. Voilà. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde!